On va continuer avec cette fois-ci M. Pierre Pagé. Bonsoir, M. Pagé. Bonsoir, M. le Président. Oui, alors moi, je viens de Montréal pour tous. Auparavant, on s'appelait Myland pour tous. Mais juste avant ça, je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter des employés de la ville, les responsables, c'est-à-dire le contremaître Claude Nicole de l'arrondissement Ville-Marie, l'équipe des patinoires qui ont fait un travail incroyable. Et j'ai pu constater dans le plateau aussi l'équipe des patinoires, ils ont reconstitué. Et il y a une super vidéo sur YouTube, malheureusement, il n'est pas sur le site de la ville, parce que j'aime mieux voir M. Nicole que M. Surprenant et autres. Alors, ceci étant dit, l'objet principal, M. le maire, Madame, Messieurs les élus, je dépose au nom de Montréal pour tous une pétition de 1119 noms venant de 17 arrondissements. Alors, dans l'espoir partagé avec vous de redonner confiance aux Montréalais, on dépose cette pétition-là, recueillie en 14 jours par toutes des bénévoles. La pétition, d'où elle sort? Nous, on a tenu le 11 février au Rialto une assemblée où il y avait 125 personnes de 4 arrondissements. Et nous, on leur a fait rapport. On dit, nous, on est venus à la ville, on a posé des questions sérieuses, on a eu des réponses sérieuses, on a le goût de revenir questionner, mais on est perplexe parce que des fois, les réponses qu'on nous donne, deux mois après, ils ne tiennent plus. Ceci étant dit, nous, ce qu'on a dit, c'est que ça vaut la peine de revenir à la ville puis de faire des propositions. Qu'est-ce que nous ont dit les 125 personnes? Ras-le-bol de toute augmentation de taxes, mais dans le contexte du ras-le-bol de la corruption. Donc, c'est très grave. La confiance, là, est sérieusement amochée. Alors, nous, on avait invité des experts qui nous ont dit « Montréal, c'est pas la pire place pour le taux de taxes. Montréal n'est pas géré de la catastrophe, l'enfer à 100%. » Mais la salle a répondu dans le contexte actuel. Donc, la question, M. Pagé... La question, c'est de dire « Nous, on veut un plan sérieux d'assainissement de la gestion et des finances. Tant qu'on n'a pas ça, un plan sérieux. Puis il y a déjà des mesures. D'accord, c'est ça la question? On veut un plan sérieux. Merci. Avec plusieurs mesures. Tant qu'on n'a pas ça, on vous allez revenir. Un gel des taxes. Merci. Merci. Monsieur le maire? Oui, monsieur le président, vous savez que chaque année, quand on prépare le budget, on a une commission du finance qui regarde et qui analyse le budget. On a des présentations par chaque service, incluant aussi une période de questions de les élus, plus aussi les citoyens qui participent. Comme ça, M. le Président, on parle d'un budget de 4,5 milliards de dollars. C'est clair qu'on a une plan, on a des présentations, et maintenant on est en train aussi de regarder la préparation du budget pour 2014, mais j'aimerais aussi mentionner que je suis en train aussi de regarder, de proposer aussi un budget pour 3 ans. Et pas un an. C'est clair qu'on ne peut pas adopter 3 ans dans un an, mais il faut qu'on fasse une planification détaillée pour être capable de montrer aux citoyens et nos contribuables exactement où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi nos engagements, et d'être capable de respecter ces engagements, comme on fait avec le PTI. Comme ça, on ne peut pas geler les taxes. Vous savez qu'il y a des augmentations de coûts, comme on a des augmentations dans nos maisons. On a des augmentations de coûts aussi pour la ville de Montréal. Comme ça, cette année, on a décidé une augmentation de taux d'inflation. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire qu'ils ne vont pas augmenter le taxe ou moins ou plus bas que le taux d'inflation, je pense que ce va être une erreur pour la ville de Montréal parce qu'on va être obligé aussi de couper des services à nos citoyens, M. le Président. Merci beaucoup. M. Pagé, votre question complémentaire? Bien, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est vrai qu'il y a des mesures qui nous redonnent confiance. Prenons le comité Léonard, le congédiement de certaines personnes, le soutien aux journées des données ouvertes en fin de semaine passée. Mais il faut plus que ça. Regardez SNC-Lavalin. Ils viennent d'engager un super spécialiste qui a fait le nettoyage chez Siemens en Allemagne. Alors, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mesures, mais il nous faut un plan beaucoup plus fort que ce qu'on a observé, nous, à la Commission des finances depuis 2 ans, et qu'on trouve qu'il y a des travaux sérieux. Mais là, la confiance, là, est vraiment... Nous, il y a un gars qui m'appelle aujourd'hui, il devrait tout faire sauter ça, cette gang-là. Je dis, voyons donc, monsieur, moi, j'ai 68 ans, je cherche des propositions positives. Il m'a dit, ah oui, vous avez raison. Mais le gars, il est craqué. Je ne peux pas juste y dire, ah, ben là, on ne peut pas geler parce que ça serait... ça nous bloquerait. D'accord. Merci. Monsieur le maire,
Encore, Monsieur le Président, je veux juste expliquer une différence entre PTI, plan triennal de mobilisation, et le fonctionnement de la Ville de Montréal. Pour le fonctionnement de la Ville de Montréal, je viens de répondre à votre question. Si on parle de confiance de nos citoyens, oui, il y a un manque de confiance vers les élus aussi de la Ville de Montréal avec tout ce que vous voyez à la Commission Charbonneau. C'est pour cette raison aussi, comme l'ancien président du comité exécutif, on a arrêté de donner des contrats dans les octrois de contrats dans les infrastructures. Et j'ai travaillé comme maire de Montréal avec le comité exécutif, avec les membres de ce conseil, d'arriver et de pousser le gouvernement du Québec de mettre en place des nouveaux règlements qui sont dans la loi 1, sur lesquels maintenant, nous autres, on a pris une décision avant d'aller en appel d'offres et de donner une submission. Il faut maintenant que la compagnie, qui est le plus bas submissionnaire, ait un certificat de l'AMF. En même temps, on travaille avec UPAC, on travaille aussi maintenant avec l'EPIM, on a mis en place aussi le conseil sur M. Leonard qui travaille avec la Ville de Montréal. Et je demandais au gouvernement du Québec de pas seulement analyser maintenant 25 contrats par mois, mais d'aller jusqu'à 50. Et on ne veut pas donner des contrats jusque les compagnies, si on parle de génie conseil, si on parle de construction, si on parle d'informatique, si on parle aussi des immeubles, de ne pas donner des contrats jusque ces compagnies aient un certificat de la AMF. Comme ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps vraiment pour que les gens reviennent et ils ont une confiance dans nous, mais on est dans une bonne direction, je vous assure. Et nous autres, quand on va prendre des décisions, on a une coalition sur lesquels il y a des dossiers maintenant sur lesquels on est capable de les emmener ici, on est capable de les questionner, on est capable de les bonifier, d'assurer que le conseil, tout le monde travaille en partenariat dans le meilleur intérêt de nos citoyens pour essayer de regagner la confiance de nos citoyens. Merci. Merci, M. Paget. Merci beaucoup.